Hi, Doumak Ndane qui Niet Luxugemi, chef d'entreprise qui entreprise créée par Niet Luxugé. Amoubada Aluku, voilà Niet Luxugemi, avant Fadak Sugemi. Voilà, c'est un kinuku personnellement, à nous, c'est un faille tankihi, amoubada ici, c'est un derrière qui est tankihi, ou direct, c'est un migakado, adahu bisou, alangidaha, faille fierté. Toute personne qui a la volonté d'entreprendre peut entreprendre. Comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. Donc si vous le voulez, vous y arriverez. Je suis la directrice de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. Et les missions principales de l'Office sont d'une part la gestion du registre du commerce et des sociétés et celui du registre de la propriété industrielle. Nous avons constaté au fait que pour une année bien déterminée, par exemple pour l'année 2014, sur 100% de sociétés créées, seulement 16% sont créées par des femmes. Par rapport à ça, quand nous constatons vraiment le dynamisme de la femme djiboutienne, c'est quelque chose qui nous avait vraiment interpellé et c'est vraiment un paradoxe. Pour être assez réaliste par rapport à tous les aspects que nous observons et puis de là où aussi nous partons, je pense que le chiffre que nous souhaitions, en tout cas en République de Djibouti, atteindre, ça serait au moins de 35%. Et ce, dans un délai de 2 ans à 3 ans. C'est quelque chose qui est vraiment réaliste. Les femmes sont déjà actives, elles ont déjà des activités. Il suffit seulement de les accompagner et de les formaliser, de les aider aussi pour cette formalisation. Il y a tout un volet qui leur est assez difficile à faire, c'est toute la partie assistance. Et c'est ce que nous souhaitions faire avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, notamment à travers l'antenne Femmes comme Djibouti. بعد تخرج الطالبات من المركز الاتحاد نساء جيبوتي لتدريب وتأهيل فيكون عندهم مشاريع فكرة خاصة عن مشاريعهم وماذا يريدون أن يعملون في المستقبل فنقوم بنشر الوعي وتشجيعهم على أن هناك مركز للسيدات الأعمال في الاتحاد نساء جيبوتي يقوم بتشجيعهم بالعمل وتشجيعهم على إيجاد فرص لإيجاد مشاريعهم ويقوم هذا المركز بدعمهم في تطوير أفكارهم وعملها في الحقيقة. Le taux d'alphabétisation des femmes a commencé à augmenter que ces dernières années. Donc c'est ça qui a donné confiance à beaucoup de femmes en fait, à se lancer dans ce projet entrepreneurial et l'environnement des affaires. Maintenant, le rôle de l'État et des institutions publiques comme la nôtre, c'est de les aider à déjà reprendre confiance en elles, à leur dire et à sensibiliser sur l'importance de l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des femmes. A bon construction waxa aan bilaabay 2017 waxa igu dhaliyay baahida wadankeena guriyo la'aanta guriyaha yara marka ahaan oo ka faa'iideysay ruqsadii madaxweynuhu uu yiri qof kasti oo reer Djibouti waa inuu aqal helo baahidi wadanka aan ka soo jawaabo marka soo taabay hay'ad wixii ii keentay inaan dhiso guriyaha shabon construction la igu wacan waxay yiraahdeen dream come true markii hore hawaawi baahayd laakiin hawaawigii wuu rumoobay marka shaqad dumarna ma ahayn waxay shaqo rag ay rag ka shaqeeyaan haddana markii aan tijaabiyay erida waad samayn karaysaa samee marka waxaan arkay inaa wixii lagu fikro inaa la sameeyaba inaa la samayn karo uu haweenna ku xidhnayn ragna ku xidhnayn wax kastiba uu yahay wax mid ahta sababtoo ah waxa ani layga rabaa waa fikraddii fikradana nin kastiba dee fikraddii uu keeni karaya haweenku waxay soo dhanaynay dhismo hadday noqoto ma dhisi karayno waxaa annaga maskaxdayada ka dhaadhacsanayd. La première question, c'est à votre avis, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat pour vous? C'est d'être persévérant et tenace. C'est indépendant et avoir l'esprit d'équipe et concrétiser. Mon idée consiste surtout l'événementiel, l'organisation des mariages. Ça va dépendre bien sûr du budget de la personne, du client, du budget du client
Et de là, on va commencer à leur fournir plusieurs services. Et je trouve que le marché de l'événementiel est un marché non exploité à Djibouti. Donc j'en profite pour proposer mes idées. Ce qui me donne envie de créer ma boîte, c'est surtout une question d'indépendance, d'autonomie, d'être responsable de moi-même, d'avoir mon propre projet, d'être mon propre chef. Oui, comme j'avais dit, il manque 20 chaises. Soit qu'il y a 20 chaises. Pas encore. J'ai déjà essayé par le passé de créer une entreprise, mais par manque de soutien et des conseils et d'orientation, ça n'a pas vraiment marché. Il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas, surtout quand on est une femme et qu'on veut entreprendre. Il y a déjà la partie comptabilité, la partie finance. On a eu de l'aide par des experts comptables à l'ODPIC qui nous ont expliqué comment allait se dérouler toute la formation. On a aussi bénéficié des conseils des juges, des avocats et des personnes qui ont fait du droit. Grâce à l'ODPIC et à l'UNFD et à l'accompagnement de ces experts, maintenant je commence à y croire un peu. Et c'est bien plus facile. Au jour d'aujourd'hui, chaque institution de l'État est spécialisée dans un domaine bien précis. Mais il manquait un trait d'union et c'était comment est-ce que les femmes, diplômées ou pas, pouvaient monter un projet elles-mêmes, ça veut dire d'une idée, la rendre concrète pour avoir accès au crédit. Et c'est ce maillon que nous avons voulu en fait combler, spécialement pour les femmes djiboutiennes, c'est de les aider à avoir un business plan bien fait, les aider à rédiger un statut juridique bien fait et dans les normes, pour qu'elles puissent justement concrétiser cette idée et passer d'une idée à une entreprise. Le Fonds de développement est une institution de l'État qui a été créée pour promouvoir l'accès au financement pour les PME et les PMI. On a vu que les femmes étaient dynamiques dans l'économie, mais le problème c'était la formalisation. C'est qu'elles ne mettaient pas tout en son nom. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit aux femmes? On dit, on va vous apporter du financement, mais la seule chose qu'on va vous demander, c'est de se formaliser. On vous apporte un financement. Et vous, par exemple, vous devez avoir une patente, vous devez avoir un bail de l'offre commerciale, vous devez avoir un compte bancaire. Les critères sur lesquels nous basons pour faire la sélection sur le projet d'entreprise, la première des choses que nous regardons, c'est est-ce que c'est un projet qui va permettre au porteur de ce projet quelque chose dont il va vivre avec ou c'est quelque chose qui va l'endetter. Dans un premier temps, on regarde. Si on voit généralement que la femme a déjà travaillé dans le secteur sur lequel elle demande le financement, en général, on accepte facilement. Par contre, si elle demande un secteur où c'est bouché, où c'est difficile, on conseille et on réoriente, on lui dit, voilà, est-ce que tu peux aller dans un autre secteur, en général. Mais vraiment, à 80% des femmes qui viennent ici avec une idée bien conçue et qui sait ce qu'elle veut, en général, par rapport aux hommes, elles obtiennent le crédit. Barito Hadolou, gestion Hesugé, Awek Tukartiki, Mer Rouge, déficit à Sherkata Mirahsa, Namalfiki Bahara Ake, gérant Tukakani, transit à Mabam. Saïmarimangoutam Abu Douda, Asakona, Labhatama Rikiektani Yana Matanai, Saïmari Mango, Yoletablé Nawai à transit à Ma, Dumai, Lamaridubuk Abar Huxugé. Saya mari niale lam mari tama abu dudam kaduna isin tableni asakunai aha kaduna gibdamina aha kudi le tama abu no dudana hari. Oh di galimi nialono asakulle nablen nalai saya mari niale duda kalaha. Dari ken haitam asaku sai mari niali hakke ahaksa waqti li gadamala sai mari ahak taise mashru'i ki abunu dudan harhi. Par rapport à cette nouvelle génération justement qui utilise les NTIC mieux que l'ancienne génération, je pense que dans un contexte justement de mondialisation, les remparts ou les obstacles doivent être levés petit à petit et sont levés d'ailleurs de petit à petit. Donc il y a beaucoup de Djiboutiens que nous rencontrons de la nouvelle génération qui sont beaucoup plus entrepreneurs en fait dans l'esprit. L'idée de Femcom, c'est de mettre en liaison toutes les femmes d'affaires de ces pays-là ensemble pour qu'elles puissent s'intégrer d'une manière très positive dans le dynamisme qu'il y a dans ce marché commercial qui est le COMESA. L'idée vient de là
Et maintenant, quel est le rôle de l'antenne Femmes comme Djibouti? Ben, le rôle, c'est justement d'organiser les femmes djiboutiennes autour d'une association de femmes d'affaires et qu'elles puissent entrer en contact avec les autres organisations des autres pays membres du COMESA. Je pense que la femme djiboutienne avec 800 000 habitants, elle ne doit pas se suffire en fait, de ce marché. Alors pourquoi ne pas sortir des frontières djiboutiennes et aller conquérir les 390 millions de consommateurs du marché COMESA? سان كوشي هيك كدناني كمعان مركانا فكرة دي نوان هاي استاد يقول كيو هرب عانه هنو وحن لهين لفاش كنت لعنة كله وحن لين هاي دور ميلاد وعانه هالجيو عاجدي وحبالو جحر حراء مركا وحن وبا هنا دينا سيوي نون سوك بعنا مجال دور دسان وذقلنا ساشياشي لو جحر حراء يي يوحي أردن تو سا كامبني نعوض فرنا عندهم حي هذين يد وحن طلب ضد إن شاء الله إن عند وحي ده gargaarkii oo dhan dhanaam leela garab joogsado san aanaha magaalada oo dhan aanu galiyo adduu ilaahay qadaro madaxweynuhuna insha Allah wallahi waxaad taas ugu muhiimsan barnaamijkeena oo na garab joogta oo tirada dumar oo hurdo un looma baahnaa aqal looma fadhiyo nin wax laga masugay soo kaco suuqa soo galo gargaarna aniga hela marka taas baan ugu dhalisay hindisaha inaan maxay haydeen de projectiga aan keeno aan soo de dadka soo hordhigo oo ila fikradina waan haya projectigayguna waa ka marka premadamkan ugu garab joogsatay khadra maxamud xayid waan remercierna merci encore waxaan kaleeyahay dumarka oo dhan meel uu lama joogo horumar baa la sameeyaa marka fikrada saasa igu dhalisay inay naag walbana waxay haydeen dhinacii ka soo kacdo ay gasho insha Allah in bidid oo dibiga caad u miday in bididan tagay in bididan dhigay dosiyegayga markii ba in odbiga noo yareen atelier ba noo qabteen marka tractorisada noo lufa ayaa maxay hadaan noo gacan qabtay waxaan doonayay de horta asl ma moodayn de fikrad ahaan qofka marka ku dhalato company ma furanay qofka markuu raa wuxuu mooda wax faasila laakiin waxa loo baahan yahay in laga helo xeerar waa ina finansmoog marka doonaysan lacag ahaan ba dadku moodan laakiin fikrad ahaan aan waxaan ka qaatay inay noqoto durwa waa ina lahado waana la formay aniga waana farmasoyal shan qato waana business plan aan helo waana accountability aan kala helo marka waxa soo dhan macdarwaagiisa isku geysid ayay hadhow tola fikrad ahaan kaaga dhalinaysaa in qof company weyn u furto marka waa sida ahaan waxaan u gargaarkana aan uga sugeyno in fideeda iyo dibigana noola garab joogan waxa la wixii aan formay nous allons aborder le management et le leadership dans notre cours d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par le premier chapitre qui est le marketing dans les entreprises. Il faut toujours savoir donner le maximum de vous-même, surtout être présent. Ne pas avoir des limites sur votre présence, sur vos activités ou sur vos démarches. Et vaincre surtout tout ce qui est stress, timidité personnelle. Donc tout ça, c'est la persévérance. Donc, je dirais que je me sens fière aujourd'hui, épanouie même d'avoir réussi 50% de cette aventure, mais il en reste et ça finit jamais. L'entrepreneuriat ne s'arrête pas, donc il faut toujours aller en avant. Notre programme, c'est le programme du Women Business Challenge. Et dans ce programme, il y a deux projets. Le premier projet, c'est celui qu'on est en train de réaliser, c'est créer 500 entreprises pour les femmes. Le deuxième projet, c'est la pérennisation de ces entreprises. Vous savez que la durée de vie d'une société, aussi bien à Djibouti que même dans l'international, la durée de vie d'une société ne dépasse pas 3 ans. Ou 5 ans. Donc nous, notre défi, ce n'est pas seulement de dire nous avons pu atteindre cet objectif par rapport à un résultat escompté. Non, notre objectif, c'est que vraiment rendre réelles ces entreprises, rendre réelle l'autonomisation de la femme. Nisa yokarhimi nya haishitai darhe magahinai nya elenik mangom abona dudanam keni warsa hatu farenik ka dufantenani odepik yana fantena tani o kengeri gerono dudana ken fanyaf konono dudana darhe magahinai mangom abtono dudan haka nya haisa keni karhimi
les femmes, c'est comme les hommes, hein, elles sont djiboutiennes avant tout et dynamiques dans l'économie. Donc qu'est-ce qu'elles vont voir? C'est là où elles peuvent obtenir maximum d'argent, qu'elles peuvent retirer le maximum qu'elles vont s'intéresser. Et les femmes sont beaucoup plus entreprenantes que les hommes parce qu'elles voient rapidement là où elles peuvent gagner facilement. وقت كنا وقت يقول إن شاء الله ووقت يقدم مركّب في رجوع دمار.